du film événement de Gilles Lellouche, L'amour ouf. On était les mêmes, toi et moi. Mais j'ai pas compris qui t'étais, en fait. Alors, est-ce que c'est surcoté? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu assez autour de ce projet qu'on a attendu depuis un moment quand même? Non, pas du tout. C'était une séance assez dingue. Je vais t'expliquer pourquoi dans la vidéo. Donc, L'amour ouf, c'est tiré d'un roman des années 2000 d'un auteur irlandais. Petite histoire, c'est Benoît Poulvord qui joue le rôle du méchant dans le film, qui a conseillé à Gilles Lellouche d'interpréter en film le roman. Donc il lui a prêté et suite à ça, Gilles Lellouche trouvait que c'était une bonne idée en fait d'adapter ça au cinéma. Donc pour ça, il fallait réunir un budget. Quel budget? Puisque là, on parle quand même de 35 millions d'euros, donc c'est assez énorme, surtout pour un film français, vous l'avez compris. Ça va se ressentir dans le film, et ça c'est super agréable parce que on prend vraiment plaisir au niveau du visuel, et pour un projet long c'est important parce que le film il est long, oui, comme j'ai dit il dure 2h40, donc c'est quand même pas rien. Et je sais que certains d'entre vous qui me regardent, notamment des gens avec qui je peux parler, me disent souvent que c'est un frein pour vous, la durée au cinéma. L'amour ouf, de quoi ça parle? Ça parle de Jackie, ça parle de Clotaire qui sont au lycée ensemble dans le nord de la France dans les années 80. Ils vont avoir un véritable coup de foudre, sauf que petit problème, les deux ne viennent pas vraiment du même milieu social. C'est vraiment un film qui n'est pas comme les autres. Pourquoi c'est pas comme les autres? Il a une vraie identité, je trouve. Quand vous allez le regarder, vous allez vous dire « Ok, il y a plein de choses que j'avais pas vues, ou alors très rarement. » Donc je vais attaquer les points positifs, du coup, parce que c'est lié, notamment la mise en scène et les idées de scénario. Je vais vous prendre un exemple tout bête. À un moment, il y a les deux jeunes adolescents qui s'échangent un chewing-gum, ils rentrent chez eux, etc. Et je crois que c'est Jackie qui ramène le chewing-gum chez elle dans la chambre. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va le poser contre le mur. Et donc là, vous allez avoir un plan, en fait, qui va se rapprocher du chewing-gum lentement. Et donc là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il compte faire? Oui, c'est un chewing-gum, c'est dégueulasse, il le colle au mur en plus, elle le colle au mur. Et en fait, le chewing-gum va se mettre à battre, voilà, comme un cœur. Et ensuite, vous avez un espèce de fondu qui enchaîne avec une autre scène. Voilà. Une deuxième scène aussi qui m'a marqué, c'est un moment, vous voyez, alors c'est un peu plus classique, mais ça a vraiment fonctionné. Vous voyez un couple qui s'engueule en fait, à l'extérieur d'une voiture. Et là, en fait, au point de vue de la caméra, on est dans la voiture et les essuie-glaces vont commencer en fait à essuyer. Et en fait, on devine l'engueulade, mais pas totalement. Donc, c'est plein de petites scènes comme ça qui sont vraiment géniales. Et ça, je tenais à en parler parce que je trouve que y a de la créativité dans le film. Visuellement, c'est aussi très joli. On a plein de différences de couleurs. D'autant que ça a été tourné dans le nord de la France, qui est pas, c'est pas non plus, on va dire, la région de France qui a les plus beaux paysages, verdoyants, etc. Mais je trouve qu'on capte bien l'esprit de l'époque industrielle mélangée aux campagnes rurales, etc. Et en fait, on est vraiment immergé dans les années 80. Donc, je vais faire le lien aussi parce que la bande-son est super bien. Un autre point positif, eh ben, c'est le casting. Le casting, il est vraiment mortel. Je vais vous citer les noms, vous les connaissez. C'est vraiment un all-star game, hein, ce truc. Adèle Exarchopoulos, Gilles Lellouche, le GOAT, Alain Chabat, les gars, qui est exceptionnel. Et vous avez aussi Benoît Poulvord, qui est vraiment très bon, comme d'habitude, ça fait plaisir de le voir dans des rôles dramatiques. Et vous avez aussi les enfants, parce que la première partie du film, c'est pas un spoiler, ça va être basé sur les enfants. Et là, c'est vraiment génial. Je trouve que les deux font le travail. Et mention spéciale, interprétée par Malik Fria. Les personnages sont très bien écrits. On voit la famille, etc. De tout le monde. On n'est pas dans les clichés. Et en fait, on s'y attache. Et ça fonctionne très bien. Un peu le point négatif du film, je dirais qu'il y a 25 minutes de trop. La première partie du film est très très réussie. La deuxième l'est un peu moins parce qu'en fait, on s'attend un peu à ce qui va se passer malgré le fait qu'il y a un twist quand même à la fin. La relation que Adèle a avec son nouveau mari, interprété par Vincent Lacoste. Là, je sais pas pourquoi, vous me direz dans les commentaires, mais moi, j'y ai pas du tout cru. Puis aussi, le personnage interprété par Jean-Pascal Zadi, je crois qu'il s'appelle Lionel, donc on voit enfant et qu'on suit aussi adulte. Je trouvais ça un peu gros.
en plus la voiture a fait des milliers de tonneaux, il est toujours vivant, prêt à sortir sa petite blague dès qu'il sort du coffre. Non, voilà, malgré que Jean-Pascal Zadi soit très drôle dans le film, il réussit, ça parle de plein de choses au niveau social, également le côté fermeture d'usine aussi qu'il y avait surtout à l'époque dans cette région-là. Donc finalement, le film ne fait pas qu'aborder le thème de l'amour, il parle aussi de d'autres thèmes, et ça c'est toujours hyper intéressant. Bon, je vais clôturer, j'en ai assez dit. Quelle note je vais donner à L'Amour Ouf? 15,5/20. Il me fait d'ailleurs un démarrage exceptionnel, puisque c'est le troisième meilleur démarrage derrière Le Comte de Monte Cristo, le film de l'année pour moi, et Vice Versa 2. Est-ce qu'il va atteindre les 10 millions d'entrées comme va le faire, ou comme l'a fait, je crois, Le Comte de Monte Cristo? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais moi, je pense que ça peut devenir le nouveau film, La Boum, que nos parents regardaient, le classique un peu de la nouvelle génération en termes de teenage movie, même si le film est très violent. La plupart des personnes qui vont voir ce film, c'est des 18-24 ans, plus destiné pour un public plus adulte parce que le film est violent, mais au final non, et c'est très bien. Donc voilà, c'est tout pour moi. Pense à t'abonner, c'est hyper important si tu veux d'autres critiques. Je te dis à bientôt pour une prochaine critique de film. Ça sera sûrement Venom, on va aller voir l'avant-première avec Evan, et puis on vous en parle très bientôt. Allez, prenez soin de vous, à plus, salut tout le monde.